Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se libérer de l'académisme. Ouh, c'est un grand mot ça, hein? À tout de suite. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, en effet, nous allons parler de l'académisme. Rien de compliqué, vous inquiétez pas, toujours dans la simplicité, la joie, la paix et la sérénité. L'académisme, c'est l'idée qu'on peut se faire du beau, de l'esthétisme et du parfait. La photographie aujourd'hui, elle est là pour ça, et donc on va la laisser faire le boulot à notre place. Notre travail d'artiste n'est certes pas de réaliser quelque chose de parfait, mais de raconter, de dire, d'exprimer et de... Voyez ce geste? Je vais pas dire vomir, hein. Mais si vous avez quelque chose à expliquer et exprimer, eh bien, c'est notre boulot. La photo peut pas faire ça, enfin. Pas forcément de la même manière. Voilà. Alors, il y a diverses façons de pouvoir se libérer de tout ça. On va pas parler d'abstraction parce que c'est pas forcément le sujet, mais vraiment pour pouvoir lâcher prise sur ce mental qui a envie de faire du beau, il y a des petites astuces que moi j'utilise pour pouvoir m'aider et me libérer le plus rapidement possible. De toutes ces belles images qu'on a sur nos réseaux sociaux, sur la télévision, dans les magazines et dans les beaux livres, cet esthétisme qui finalement nous... même les publicités, les panneaux ou les magasins, hein, mais cet esthétisme qui nous ronge et qui nous pousse à voir, à nous influencer de ça, et on en oublie notre personnalité. Donc personnellement, j'utilise plusieurs moyens. Le numéro 1, peigner ou dessiner dans un environnement avec le moins de lumière possible. Et oui, moins vous voyez, moins c'est vrai. Oui, au début vous allez avoir des ratés. Oui, au début ça va pas vous plaire. Mais on s'en fout. C'est bien de faire des erreurs. Ça peut être... réinterpréter ou utiliser, tourner dans tous les sens, enfin, en tous les cas, ça lâche prise sur les yeux et sur le cerveau. Ça vraiment, c'est plutôt intéressant. Donc, je mets le moins de lumière possible dans mon environnement, sur ma feuille. Numéro 2. La deuxième solution que j'utilise personnellement, c'est de dessiner avec ma main gauche. Oui, je suis droitière. Donc, je n'utilise plus cette main droite qui guide mon cerveau au gauche, qui est celle de la maîtrise, du mental, du calcul, du maîtrisé, de l'intellectualisme. Et je vais utiliser ma main gauche qui est plutôt celle du cerveau, de l'intuition, de la créativité, des rêves, de mon enfant intérieur. Voilà, donc je vais l'écouter davantage, mais c'est surtout parce que je ne maîtrise pas cette main gauche pour pouvoir dessiner ou écrire. Donc pour les personnes ambidextres, c'est sûr que essayez de trouver la main avec laquelle vous vous sentez le moins à l'aise, hein. Je vois pas d'autre solution. Et donc forcément pour les gauchers, je les invite à utiliser la main droite. Donc moins vous serez, vous maîtriserez avec votre main, moins vous aurez quelque chose de parfait, et plus vous découvrirez un trait ou une façon de procéder, un lâcher prise dans votre ligne, une simplification de ce que vous voyez pour pouvoir aller au plus rapide de ce que votre cerveau veut bien raconter et veut bien dire. Et donc vous allez plus à l'essentiel. Allez à l'essentiel, sachez que réellement ça peut avoir une incidence sur votre vision et sur votre personnalité graphique, et ça n'appauvrira pas votre travail, je vous assure. Ça permettra de vous débarrasser de tout ce trop-plein de choses sur lesquelles on est souvent influencé
par tout cet environnement, parce qu'on est des artistes, on absorbe tout, et ça vous permet vraiment de vous alléger de tout ce poids inutile pour pouvoir vous exprimer au mieux. Voilà ces deux astuces que j'adore utiliser. Il y en a une autre, et vraiment pour moi, c'est le petit extra de cette vidéo, c'est que je dessine à l'envers. Il y a deux possibilités. Je prends mon dessin et je le mets dans le sens retourné, à l'envers. Donc la tête en bas ou le haut en bas. Mon cerveau interprète l'image plus dans ce que je dois représenter, mais plutôt dans des formes géométriques simples qui s'associent les unes avec les autres et qui forment un tout qui doit être, si je le retourne, une maison par exemple. D'accord ? Et donc, le fait de le mettre à l'envers, ça permet juste de voir autrement. Et là, il y a l'autre solution qui est celle de à l'envers, c'est le à l'envers en commençant par les lumières. Donc ça signifie pour moi d'avoir un papier noir et un outil blanc. Si ma surface est noire et mon outil est blanc, je ne dessine plus des contours sombres ni des ombres, mais je dessine des lumières. Donc toutes les parties qui sont lumineuses ou blanches. Et donc tout le reste est caché dans le papier noir. Et finalement, ça permet encore une fois de simplifier et d'alléger l'information, de mettre l'essentiel sur quelque chose qui est peut-être plus positif que de dessiner des ombres, n'est-ce pas? Réfléchissez-y. Vous percutez? Yes! À bientôt, laissez vos commentaires, j'y réponds et peut-être d'autres nouvelles vidéos ensemble. Hello!